Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais. Pas n'importe quelle vidéo parce que ça m'a pris du temps pour faire ce concept. Ouais. Oui, jolie demoiselle, ont quitté les quatre coins de la ville, de la capitale, pour venir trouver leur match. Peut-être un match à vie. Je vais vous laisser visionner la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Oui, je sais que je vous ai manqué. Vous n'allez pas me faire dire le contraire. La vidéo, c'est bon, j'ai trop fait. Bienvenue dans notre émission H2MS, où les rencontres éclairs peuvent mener à des bonnes choses. Alors aujourd'hui, pour présenter l'émission, je suis avec Shekina Mouras. Ouais. Quoi de mieux que de rencontrer de nouvelles personnes formidables en peu de temps? Et c'est ce que vous allez expérimenter dans notre émission aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prête à rencontrer de nouvelles personnes ce soir? Oui. Alors, c'est parti pour l'aventure. Donc là, vous avez vu, ça c'est les filles qui sont venues pour chercher l'amour. Direction appartement, pour tout péter, faire le choix à l'aveugle, let's go. Permettez-moi aussi de filmer le coulis, c'est très important. Il est plus habillé que moi, carrément. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît.
calmez-vous. Là, il fallait intervenir. Je viens pour leur annoncer qu'elles vont passer au champ des partenaires, mais ça sera à l'aveugle. Qui va passer en première? C'est Dora. Dora ou... Dora, tu l'as forcé. C'est elle et elle. Mais arrêtez ça. C'est bon, Dora, on y va. Là, la première candidate fait son choix. La deuxième candidate fait son choix. Ok, ma gueule. La troisième candidate fait son choix. Ah ouais, tu n'as pas posé la question, c'est pas moi. Fallait poser la question, moi. La quatrième candidate fait son choix. Non, tu ne fais pas. La cinquième candidate fait son choix. La sixième candidate fait son choix. Ok. On va avancer, on va évoluer au fur et à mesure. La septième candidate fait son choix. Et enfin, la huitième candidate fait son choix. Pour moi, laisser que deux. Ouais. Trop le seul. Ok. Celui qui est resté là, tu as dit. Là, toutes les filles ont déjà fait leur choix. Donc là, elles vont se préparer pour le festin, carrément. Prenez déjà les pop-corn. Je sens que ça va chauffer. Game. Lord Motivation. Non, merci beaucoup à vous d'avoir beaucoup de plaisir. En tout cas, on est ensemble, c'est la vie. Voilà. Donc là, il m'a apporté les articles, carrément. On gère le visuel. C'est quoi déjà le nom de l'émission et tout? Le Rush to Remains. Voilà, speed dating quoi, on peut dire ça comme ça. Donc on va envoyer petit à petit tout ça. Molo molo. Voilà, merci beaucoup. Et la motivation. Carré. On va ensemble. Quand Abdoulaye est rentré dans la pièce, les garçons étaient là et tout, bien habillés, bien sapés. C'est vrai que certains stressaient, mais ça va, on se plaint pas trop. Ils étaient tous dans le thème. Top. Vous avez 5 minutes, le date va commencer. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Très belle. Merci. C'est gentil. C'est quoi ton prénom? Aïcha. Aïcha? Ok. Moi, c'est Sosie Lemisca. Ok. Enchantée. Enchantée. Alors, on m'avait choisi, c'est ça? On va dire. À l'aveugle. Hein. Ok, c'est un plaisir de vous rencontrer. Et ça me fait du bien d'être ici, c'est un bon endroit. Oui. Du coup, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante. Vous êtes étudiante? Oui. Étudiante. En quelle année? Troisième année. Et toi? Okay, moi, je suis entrepreneur. En quoi? Entrepreneur. En fait, je suis plus basé. Je suis manager en même temps. Mm-hmm. Je suis aussi artiste. Je suis plus basé dans le domaine de l'art. Je vois. T'es pas stressé au moins? Non, ça va, tranquille. Ok.
Moi aussi, ça va. Du coup, j'ai un truc à vous dire. Oui. C'est pas vous me permettez. Oui. Vous êtes une très belle femme. Merci. Et je crois que c'est peut-être mon jour aujourd'hui. Un jour, je ne sais pas si je vais appeler ça la chance. Parce que ça fait des lustres que je suis à la quête d'une âme sœur, en fait. Ah, je vois, je vois. Et du coup, je tombe sur vous. Sans vous flatter, vous êtes aussi mon genre de neuf. Ah, mais pas vous, hein. Moi, vous n'êtes pas du tout mon genre de gars, on va dire. Je ne suis pas... Enfin, c'est pas vraiment mon style, on va dire. Mais c'est pas votre style. Donc, je pense pas vraiment que ça. C'est coussi, coussa. Voilà. Du coup, je ne peux pas espérer, alors je peux pas espérer. Pas du tout. Bah, c'était une blague. Hein. Ok, tant mieux aussi. J'aime le faire pour toi, en fait. D'accord. Mais sinon, j'aime bien la veste. Merci. J'aime aussi la perruque. Merci. C'est un plaisir. C'était Aïcha ? Oui. Aïcha, ok. Vous êtes basé ici à Brazzaville ou bien... Oui, je suis à Brazzaville ici. Moi, par contre, je suis ici pour quelques temps seulement. D'accord. Parce que je voyage un peu de partout. Ça me fera un plaisir, peut-être... Ça me fera un plaisir de vous revoir la prochaine, peut-être. En espérant que ça se passe comme ça. J'espère que je ne vous ai pas peut-être vexé. Non. Sinon, je vous apprécie bien. Mais genre, être mon âme sœur, ouais. Je pense pas que ça... Tant mieux. Tant mieux. Oui, tant mieux. Ah, tant mieux. Oui. Donc, merci. On se dit à la prochaine. Ok, merci. Voilà, ici le sosie de Niska, voilà, tu connais. Ok, je m'appelle Aïcha, j'ai 20 ans et je suis étudiante. Bon, ma partenaire, lors du dialogue, elle était un peu... elle était trop calme, elle ne voulait pas genre parler. Il est moche. C'est ce que je pense, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien et vous? Je vais bien. Attends. C'est un essai libre comment? Je comprends pas. Pardon? Les choses sont propres ou bien elles sont déjà au brouillard? C'est encore au brouillard en ce moment ou quoi? Je pense pas. C'est une blague. Comment ça c'est une blague? Je m'attendais. Tu t'attendais à quoi? Franchement, c'est toi qui m'as choisi, hein? Exactement. Oh là là, mais la voix là, je la reconnais pas. Dis-moi, tu es de quelle nationalité? T'as pas besoin de le savoir, vraiment, moi. Je m'attendais pas, ça. Vraiment, c'est pas. Sénégalais, quoi. Vraiment, ça fait rien, c'est pas grave. Tu vas être là. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, c'est. Donc. Mais on a pas mis le truc ici en fait. Déjà. Moi c'est la Mélo Trinité. Je me nomme Carla, je suis étudiante en droit. En tout cas, honnêtement, je m'attendais pas à ça. La meuf en tout cas. C'est pas pour la tristesse, mais vraiment c'est n'importe quoi. Nul. Il ressemble à un Sénégalais, putain. En fait, je ne sais pas ce qu'il a raté, mais regardez-moi. Vous voyez? Regardez-moi bien. Non. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment tu vas? Ça va et toi? Non, ça va.
Pourrais-je connaître ton prénom? C'est Nikesh et vous? Nikesh, moi c'est Loïc. Nikesh, tu n'es pas mal. Tu n'es pas mal. Tu es pour toi belle, mais honnêtement, ta beauté ne me plaît pas en fait. Toi, tu ne me plais pas. Ah oui, toi, tu me plais pas. Tu n'es pas le genre de femme. Je descends. Déjà, tu n'es pas beau. Ouais, moi, je me fous. C'est casse-toi. Tu n'as rien qu'il faut là. Tel que tu es là, tu n'as rien. Moi, c'est Loïc. Moi, c'est mademoiselle Nicolas. Je suis étudiante en droit, j'ai 20 ans. Premièrement, elle n'est pas mon genre. Elle n'est pas mon style de nana. Déjà, le gars, il était impoli. Il ne sait pas s'adresser à une femme, donc ça va pas. Bonjour. Salut. Comment tu vas? Ouais, ça va. Arcon, j'ai toi. Ah, c'est Déby. Déby? Ouais. Ouais, tu es beau. Merci. Du coup, Déby, parle-moi un peu de toi. Bah, moi, je suis artiste. Et artiste comédien. Voilà. Déjà, j'ai pas d'enfant. Je suis célibataire aussi. Bah, moi, je suis étudiant et entrepreneur. Et j'ai zéro enfant aussi. Ok. Du coup, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es libre? C'est quoi ton passe-temps? Bah, je sais pas, je suis libre en fait. Je sais pas, je travaille un peu à la maison et tout. Mais je suis libre. Quand tu es libre, c'est tout ce que tu aimes faire? Bah, ouais. Tu aimes des personnes pour me faire rire. Tu aimes ce que tu fais? Oui. D'accord, c'est bien. Et c'est quoi ta plus grande qualité? Okay. Ta plus grande qualité, en fait? Savoir quoi? En général? Ta qualité en fait. Qualité, je dirais que je suis un peu sensible. Et... voilà, je tombe rapidement aussi amoureuse. C'est ça, tu vois. Et que là, tu es beau. Là, je ne cache pas en fait. En tout cas, moi, tu me plais. C'est gentil. Et tu me plais aussi. Et vas-y, dis-moi un peu, c'est quoi ton défaut? Qu'est-ce que t'aimes pas? Je m'énerve vite. Tu m'énerves trop vite? Oui. Et est-ce que je reprends au caractère d'un mec pour toi? Ouais. Après le reste, est-ce que tu veux comment t'aimer? C'est vrai. Juste pour voir. Oh. Ok. Est-ce que tu vois? Ouais. D'accord. Franchement, t'es magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on fait vu qu'on se plaît déjà? À toi de me dire. Moi, de me dire. Est-ce que tu sais en penser? Tu veux essayer? Peut-être. On fait hors caméra. Tu veux? Hors caméra. J'approche. Hors caméra. Oh, caméra quoi? T'as honte? Non, c'est pas que j'ai honte. Mais... je ne sais rien. Vas-y. On essaye alors. C'est soutien. Allez, ça verra? Ouais, certainement. Tu prends mon numéro? Oui, je prends tout à coup. Alors, le passage de Déby et Escobar était à couper le souffle. On ne s'attendait vraiment pas. Alors, sur place, ils se sont embrassés d'un coup et
le premier regard, on sentait vraiment qu'il y avait l'amour. Après, je ne sais pas si ce sont juste tous les deux des bons acteurs, mais personnellement, j'ai senti que c'était naturel. Alors, si vous ne le savez pas, les hommes et les femmes ne se sont jamais vus et ne se connaissent pas personnellement. Donc, c'était vraiment incroyable et on ne pouvait pas imaginer que c'est la première fois que tu vois quelqu'un et tu embrasses la personne directement, en fait. Et c'était vraiment bien. Et j'ai aimé personnellement si ils se mettent ensemble pour de vrai, que des bonnes choses pour eux. Et voilà. Alors, moi, c'est Archange. Sur mes réseaux, c'est Escobar. Moi, c'est Debbie. Sur les réseaux, c'est l'artiste Destiny. Comment avez-vous trouvé votre date? Moi, c'était magnifique, en fait. Est-ce que vous l'avez vu? Vous pensez qu'il peut y avoir un truc entre vous? Bien sûr que oui. Bonjour. Mais t'es qui, toi? C'est à moi de poser la question, en fait. De base, elle était beau aussi. Avec son maquillage, je sais pas si c'était pour jouer la méchante de la petite sirène, mais surtout. Moi, c'est Tufia aussi. Moi, c'est Andrea. J'ai 19 ans et je suis élève. Je passe mon bac cette année. Comme j'ai l'habitude de dire une routine de texte, non, déjà, la perruque, le maquillage, déjà son expression, déjà sa manière de parler, ça me plaît pas du tout. Ben, je n'ai rien à lui dire. Ouais, c'est Tufi, la barbe du 9, toi. Alors, Dufy, tu as décidé de venir, donc tu dois avoir le cœur et les organes d'assumer, en fait, les critiques et les injures. Dufy, c'est le genre de personne qui ne supporte pas qu'on l'insulte. Quand tu l'insultes directement, il t'attaque. Et des personnes qui ne supportent pas ça. Donc, Dufy, c'est vrai, tu as voulu le faire pour te défendre, mais il faut savoir que là, tu es sur une autre facette de garçon, de bad boy. Donc, les garçons qu'on appelle vrais hommes, ils savent garder leur calme, ils savent être tranquilles, donc ils savent se tenir, en fait. Donc du fil, pour moi, tu ne devais pas réagir comme ça, tu ne devais pas insulter la fille. C'est vrai que c'est pour amuser la galerie, mais non, tu ne fais pas. Tu ne fais pas ça. Ok, ça peut commencer. Salut, ça va? Oui, tranquille de toi. Ouais, je vais bien. Ah, ben, c'était toi? Ouais, comment tu t'appelles? Quand c'est cache, tu as souvent des questions, tu devines pas. Je ressemble plutôt à Jésus-Christ, t'as pas vu? C'est trop drôle. Bien sûr. Voilà, t'as rigolé. T'es mignon. Hein? Tu connais pas ton prénom ou tu fais exprès, au fait? Non, tu dois connaître, t'inquiète. On te pose une question, tu réponds. En fait, tu te poses une question, tu réponds pas carrément, en fait. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je t'ai demandé comment tu t'appelais. Il n'y a pas à parler comment tu t'appelles. Réponds, frère, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Tu connais pas français? Dans le balalinga, là. Comment on a... Je t'ai répondu, t'as pas prêté attention. Comment tu t'appelles? Bah voilà. Dis-moi que tu t'appelles Chris, frère. Tu peux deviner. Dis-moi que tu t'appelles Chris. Voilà, c'est tout. Quand j'avais... Et c'est ça, je te demande si t'as des abdos. Tu dis oui, mais c'est quoi ça? Et c'est quoi cette veste, je sais pas. C'est quoi ça? T'es un gars? Touche pas ça. T'es un gars, mec, mais mollo. C'est ça qui t'a attiré. Fait. N'importe quoi. Tu me demandes la veste? Ça se voit, t'as pas de sens, en fait. C'est t'as pas de sens, désolé, mais t'as pas de sens. Est-ce que tu appliques une pomade ou... Non, jamais. Et c'est quoi ça? Tu vois pas que ça ressemble à un bouc, en fait. Tu ressembles à un bouc avec tout ça et c'est bouclé. Mais attends, un bouc. Tu ressembles quand même à un bouc, en fait. T'es laid et on te demande si t'as des abdos. Tu étais là en mode ouais, j'ai des abdos, je suis BG. C'est ça être BG. Et sérieux, tu te mires pas le matin ou t'as pas de miroir? Tu vas dans une rivière proche de chez vous pour te mater et c'est là tu te dis t'es BG en fait. Dégueulasse. Et attends, t'es trop moche. Désolé, je peux pas continuer, mais t'es trop moche. T'es pas ça mon genre. Mieux. Pourquoi ça voilà. T'énerve comme ça? Désolé, t'es ça. Satan, elle m'insulte. Moi c'est Dessé Kakous. Mon
vrai prénom, c'est Chris. Là, c'est mon nom d'artiste puisque je chante. Bah, moi, c'est Lilipam, j'ai 19 ans et je suis mannequin. J'ai croisé un démon. Il était tellement nul, je vous jure. Même pas en rêve. Femme de nuit comme ça, je la bats. C'est gorille ou bien? Non. Ok. Comment c'est? Bonjour. Bonjour. Ça va? Parle un peu fort, s'il vous plaît. Hein. Ça va. Comment t'appelles? Un peu fort. C'est Kyle. Et toi, tu t'appelles comment? C'est Linda. Linda, ça va bien, j'aime bien. Merci. Toi aussi, t'as arrivé le premier. Garçon, là. T'as quel âge? J'ai 20 ans, et toi? Moi, j'en ai 21. Ouais, ça va. Un an de plus que toi? Ouais, ça va. Ça me... Dis-moi, on a combien d'enfants? Bah, je sais pas, c'est pas encore le moment, mais de toute façon. Tu te plais bien? Ouais, un peu. Ça va. Un peu, ouais. Un peu. Bah, ça reste à découvrir. Ouais, donc il n'y a pas beaucoup à dire, donc c'est carré en fait. Ok, bah, du coup, pas vraiment pas du tout. Ta personnalité, c'est quoi? Tu aimes quoi? Qui tu es et tout? Bah, tu découvres. Ouais, ça peut aller mieux. Ma personnalité, je peux. Tu vois, des fois, pour se lancer dans quelque chose, on doit avoir quelque chose de. D'un peu. Voilà, comme des indices, quoi, tu vois. Des indices. Je veux bien me lancer peut-être, mais je dois quand même avoir une motivation. T'aimes bien ce que tu vois? Ouais, j'aime bien, ça va. J'aime bien ce que tu proposes. Ok. Et du coup, je te suis alors. Tu me dis quelque chose de plaisant. Plaisant. Ouais, qui en fait qui m'impressionne peut-être, ou bien qui va peut-être m'impressionner, je sais pas. T'as de beaux yeux. Merci. J'aime tes lèvres. Ok, je vois. J'aime pas trop le maquillage, j'aime pas trop le maquillage. Du coup, je suis pas trop maquillage, ok, mais je l'ai fait peut-être pour toi, tu sais. Ah, oui, d'accord. Sinon, tu étais obligé de faire ça, mais ça va, c'est bon, ça me plaît. J'aime bien. Si t'aimes, moi j'aime bien aussi, bah, du coup, ça va. On peut se barrer d'ici. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Vas-y. Moi c'est Kyle, ça va. Leïda. Ma personnalité, j'ai bien aimé. Elle était un peu. Bah, elle était ouverte, ça va. Par contre, de mon côté, c'était quand même assez stressant, ok, mais ça va, c'est bien. C'est quoi votre prénom? Olivia. Vous venez d'où? Comment ça, je viens d'où? On est où là? On est au Congo? Non, en fait, au Congo. Oh, c'est un peu la voix, j'arrive, ouais, j'ai mal à t'entendre. On doit faire quoi? Je suis étudiante. Mais bon, je m'attendais pas à ça en tout cas. Toi également, ouais. Franchement. Il n'y a rien à redire, déjà la façon dont tu me vois là, dans Festan B. T'es pas mon style de gars. Moi de même. Toi de même, wesh. Ouais. C'est quoi ton style, en fait, de meuf? En fait, un peu trop vieille pour moi. Ouais, t'es petit. Justement, j'aime pas les gars courts de taille, donc. Mais vous n'êtes pas plus élancé aussi. Je suis plus élancé que toi, je me lève. Vas-y, lève-toi, wesh. Lève-toi. Mais si t'as rien à dire, arrête de raconter, vas-y, pars, écoute. En tout cas, mieux vaut ne plus continuer la conversation. Déjà, t'arrives pas à parler, frère, t'arrives pas à parler. Pas parler, tu viens, tu parles à voix basse et tout, si t'as rien à dire, vas-y, dégage. Dégage. De toute façon, vous n'êtes même pas belle. Putain, je suis plus belle que ta meuf. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Je suis plus belle que ta meuf. S'il te plaît pas, t'es trop invité, tu vois. Vas-y. Non, mais calmez-vous. Non, pas ce genre de type, ouais. Attends, t'as rien, dégage, frère, dégage. Tu vas me dire quoi? Vas-y. Moi c'est Dan, je suis agent billettiste. Je suis Am Olivia, j'ai 22 ans et je suis étudiante. Bah, mon date, j'ai pas vraiment aimé. J'ai pas aimé. Elle était très impolue, la petite. J'ai même pas aimé. Mon date, enfin, j'ai pas aimé déjà le boug avec lequel j'ai choisi, en fait, vu que c'est moi qui ai choisi. J'ai vraiment pas aimé le gars, il était pas mon style et puis. Il n'arrivait pas à bien s'exprimer, donc du coup, totalement pas mon genre. Alors globalement, le date s'est bien passé. Rush to wellness.
Alors notre date s'est bien passé. Il y a eu deux personnes qui ont finalement décidé de se mettre ensemble. Un long coup de tête. Et le reste, elles n'ont pas trouvé le véritable amour. On ne le sait pas tout le monde. C'est si tu as ta chance, tu as. Si tu n'as pas, tant pis quoi. Et pour ceux qui ont trouvé, bonne chance. Pour celles qui n'ont pas trouvé, vous pouvez réessayer la prochaine fois. Mais aussi, je tenais à féliciter toute l'équipe derrière, les réalisateurs, la maquilleuse, toutes les filles. Elles ont bien joué. Elles étaient dans leur rôle tranquille quoi. Clean, 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 top. Donc voilà, je félicite vraiment tout le monde. Et j'espère que la prochaine fois, vous aurez trouvé quelqu'un. Et que vous avez aimé cette télé-réalité. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez, mettez des petits commentaires. Je suis Shekina Moras, la présentatrice d'En Roche to Romance. Au revoir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher les pouces bleus, abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Ça, c'était le premier épisode de la saison 1 de Ma Notre Télé-réalité. Ouais. Si vous voulez vous mettre frais, la seule boutique, c'est la boutique Chef de Gang. Dites-moi en commentaire qui était votre meilleur personnage.